Monde. On est à l'épisode 3 de Keep the Past. Dans le dernier épisode, on a trouvé du Diams et on a perdu beaucoup de vie. On a perdu tellement de vie qu'on est pas, on est un peu dans la merde, clairement, je le dis. Bon, on est dans la merde, mais on peut se régénérer. Bon, faut encore trouver les pommes. Ça c'est une autre question, mais voilà. Donc, on a du diamant, on a 7 diamants, bientôt le plastron. Et on a encore de l'or, ok, nice. Puis on a beaucoup de niveaux surtout. Ça c'est cool. Et puis on a pas mal de fer aussi. Ça c'est cool aussi. Pourquoi tu tournes pas d'arc? Ça c'est moins cool. Voilà, on jette un peu tout ce qui sert à rien. Voilà, on garde juste ça, au cas où. Putain, en fait on va bientôt être niveau 20 quoi. Je veux dire, niveau 20 c'est pas mal, hein. On peut faire pas mal de choses. Alors là ça me plaît pas, mais pas du tout. Là ça me plaît un peu plus. Ok, oui, alors là ça me plaît. Non, ça me plaît pas. Un HP, ouais, bah stone, hein, le pauvre. Ah bah un mob. Tiens, ça fait longtemps, tiens, qu'on a pas vu un mob sur ton petit zombie. Voilà, et toi t'es mort, fils de pute. On va commencer à insulter les mobs, hein, c'est bon. Encore de l'or! Eh bah dis donc, on y va. Toujours plus. Faire gaffe au creeper qui peut être derrière nous. Derrière nous, non, y'a rien derrière nous, ok, ça va. Ok, ouh, je le sens bien là pour du diamant. Non, y'a rien, d'accord, super. Y'a rien. Ah, oh. Attendez. Attendez. Comme dans Zelda là, faut peut-être une musique. Non, pas du tout. Y'a rien. Y'a littéralement rien. Ça pue la merde. Bon, après, j'ai pas à me plaindre. Hein, je suis encore en vie, j'ai pas trop de problèmes. Je peux me régène potentiellement. Donc, bon, j'ai pas de gros problèmes dans l'UHC. À part qu'il y en a qui ont les popos. Par contre, c'est un peu moins bien. Oui. Attendez, what? D'accord, j'ai que 12. Putain, Nalak qui était à 20, il a perdu Masqueur d'un coup. Oh putain, gars, oui, d'accord, ouais. Ok, je vois le truc. Ok, skeleton. Le skeleton. Mais what? Mais regarde ce squelette. Mais putain, non, heureusement, il m'a rien enlevé, mais regardez ça! Mais en fait c'est ça le problème du en fait c'est vraiment ça le problème de la version, c'est les squelettes. En plus ils couraient, non mais voilà quoi, vous l'avez bien vu, on l'a tous vu, le squelette a couru vers moi littéralement et j'ai rien pu faire, il m'a mis un coup. Stone Claw qui a ragé. Je ne sais pas s'il est mort. Je n'ai aucune indication. Je n'ai aucune indication de sa mort. Oh, du diamant! Et du diamond! Du diamond. Ce qui serait bien, c'est avoir 5 diamants. Au moins, on peut se faire plastron et bottes. Mais là, vu dans quel état c'est, je pense qu'il y aura juste un diamant tout cassé. Peut-être un peu plus. On va espérer. Ah non. Ah, putain, c'est vraiment ça. C'est un diamant. Pas plus. Deux diamants à tout casser. Ouais, c'est ça. Et là, voilà. Bon, ça c'est fait. Bon, on va sur le plastron, les amis. Putain, et là, c'est vraiment la question. Est-ce qu'on va avoir le bon enchant? Au pire, je vais commencer par. Ok, zéro diamant. Au pire, ce qu'on va faire, putain. Eh oui, et bah oui. J'ai commencé par des livres et je finirai ensuite par parce que j'ai pas envie d'avoir un enchant de mer, donc voilà. On va faire un enchant à livre au livre au pire.
Oh, nice! En quel sens? Par contre, j'ai plus de. Oui. Ah, si, j'ai du bois, il y a du bois, putain, qu'est-ce que je suis con. Par contre, ouais, la vie, voilà quoi. On se comprend tous, voilà. On n'est pas très bien. Je ne veux littéralement rien dire, mais on n'est pas bien. Un peu dans la merde. Voilà, je me fais 32 torches, seulement là, on en a pour un sacré moment. Ok. Au moins Arc Power 2, déjà. Écoute, ouais, non, mais. What the fuck? Ok, non. Putain, je voyais je voyais de loin le spawner. Hein. Ben. Putain, non, en fait, on a quand même eu assez de chat hein, dans l'UHC, hein, clairement. Même si je vois arriver la mort de merde. Ouais, ah, encore de l'or. Bon, ce qu'on va faire, j'ai remonté. Non, on va remonter plutôt. Mieux dit, mieux dit, mieux dit. Non, on va pas. Si, j'ai remonté. Je vais pas mourir comme une merde. Voilà. Voilà, donc là, on est en 500, d'accord. Donc là, en clair, si je vais par là, d'accord. Donc il faut aller par là. Ok, donc on va faire une remontée. En attendant, je vais juste faire cuire un peu les trucs. Et voilà, il n'y a plus de charbon. Ah, c'est bon, il y a du charbon là-bas. Putain, il y a les popos level 2. Ah non! Ah non! Putain! Non, on n'a pas les popos, on est dans la merde. On est dans la merde, on est dans la merde, on est dans la merde. Ah putain, on est dans la merde. Shintaro, allez, popos level 2. On va se faire tout saute. Putain, mais qui a eu l'idée? Merde, des popos level 2, Snow, mais putain, mais non! Ça lag! Stone est mort? Ah, j'ai. Putain, merde, j'ai même pas vu, putain, il est mort! J'ai pas vu ça! Pas grave. Bon bah j'ai déjà lui en tout cas. Voilà. Je pense qu'on peut dire que la version était plus forte que lui. Alors là, Power 1. Ouais. Ça va. Protection 1. Alors là c'est tout double. Hein. De toute façon c'est un plastron diams, ouais, donc ouais. Ouais. C'est un power, ça peut être très intéressant ça aussi. Faut que j'ai un peu plus de bois. Ok, ça bug, c'est super. J'imagine qu'on n'aura pas flame, voilà, bon, on a un truc classico là, voilà. Contre l'épée. Ok, ça va. On a une épée potable. Même plus que potable, c'est bon. Putain, ça coûte cher. Oui! Popopo!
Bon, le bon plat se tromper de. Eh oui, les amis. Bon, oui, par contre, là maintenant, power 2 sur l'arc. Donc, on a un stuff pas dégueu. Clairement, on est pas mal. Bon, oui, voilà. Donc, par contre, il faut qu'on se refasse les zombières. Et alors là, une question qu'elle nous classe avant la protection. Voilà. Autre partie du corps qui peut être très intéressant. C'est bientôt la fin de l'épisode aussi. Enfin, dans 9 minutes, ça va, mais bon. Donc, autre partie du corps qui peut être intéressante, on va sur le casque et les bottes. Toujours important. Si on peut l'avoir protection 2, c'est mieux. Ok, ça va. Putain, 6 levels. Putain, ça coûte cher. What the fuck? 5 levels? Non mais what? Sans déconner, c'est quoi ça? C'est pas un peu de l'arnaque là? J'ai pas envie d'aller tuer des spiders pour me prendre le. Ok, bon, puis on va remonter, hein, voilà. Ah putain, mais qu'est-ce que je suis con! Putain, mais quel idiot! Allez, niveau 4, niveau 4, niveau 4, allez, allez, allez. Niveau 4, niveau 4, niveau 4. Allez, non! Oui, si. Ok, on est pas mal. Ok, on a un stuff type H1.8 où on aurait. Ouais, on a le stuff à peu près classique, ça va. On a, ouais, alors non, on a pas le stuff classique. Je dis des conneries parce que normalement, il faut avoir une sharpness 3 minimum. On va dire qu'on a le stuff moins, voilà, on a le stuff PP un peu moins. Voilà. Genre. On va dire qu'on va avoir un peu de mal. Après, quand je vois la vie des gens. Oui, quand, oui, super, oui. Écoute, oui, ça m'intéresse beaucoup de savoir que j'ai perdu encore de la vie avec du gravier. Ouais, je vais pas faire une Harry Lafran en fait. Hein. Ah, un super lag. Super lag. Putain, c'est de mieux en mieux les lags, hein, sans déconner. Putain, ça c'est vraiment un truc. Je crois qu'en vrai, Mojang n'a jamais réussi à. Enfin. Ouais, bon, après c'est les serveurs, ça, mais. Y a pas de version stable sans lag. Je veux dire, les gens qui passent Nether, c'est toujours pareil, quoi. Ça c'est vraiment quelque chose, je crois, qui est dû. Enfin, toutes les versions confondues, c'est vraiment le passage Nether. Quand on a un meilleur serveur dédié, bon, voilà, là il y a déjà moins de bugs, etc. Donc c'est mieux. Mais c'est vrai que même en général, ouais, c'est ça, on va dire. C'est. Putain, pourquoi on. Non, bah en fait, non. Hein. Putain, c'est. Oh, mais je sais ce que c'est en haut-dessus, putain. Me dites pas comme qu'on est tombé sur de la merde. Hein, putain. En tout cas, si on est sur de l'océan, tout cassé. Putain, pourtant, on est couche 46, merde. Hein. Ah, peut-être ça, si ça va, si c'est l'océan, c'est sûr. Ouais, c'est l'océan, putain, ça pue la merde, ça pourrait monter. Ok, super. C'est la nuit. On est bien.
je vais passer par le. Ouais. Putain, je sais pas où je suis. Oh merde, sans déconner. Putain, c'est la nuit quoi, putain, non. Attendez, juste. Voilà. Oh non, mais ça commence déjà. Mais non, mais c'est quoi ce truc aussi, merde. Wow. Les TPS sont à 2. Actuellement, les TPS sont à 0. Putain, on va me voir. Putain, merde. Hein. Putain, il faut que j'aille 2 jours à merde. Prends les pommes. Je sais plus, il y avait une théorie aussi. Je crois que les. Enfin, une théorie, non, c'est pas une théorie, mais je crois que les mobs ils viennent vers les endroits, ils sont éclairés. Bon. Enfin, les zombies viennent déjà sur les. Ils viennent déjà vers le joueur, donc voilà. Bon, là, au moins il y a la mer. Hein. S'il y a un problème, je me tire vers la mer, il n'y a plus de problème après, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Donc maintenant, on va prendre notre bois, hein. Même si je crois que j'ai encore vu un creeper. Non, putain, il y a les creepers qui me font peur, MDR. Et ça rime. Je vais me faire une hache. Parce que bon, on va quand même optimiser le temps, hein. Je vais pas vous faire attendre 150 ans ici. Donc voilà, mec. RT Shinta. Ah. RT Shinta, écoute. Hein. Allez, bon. Alors. Alors là, par contre, ce qui est sûr, c'est si un joueur qui vient, ouais, voilà quoi, c'est. Je suis vu, hein, enfin, on me voit directement, hein, pas de problème. Là, c'est. Tout le monde vient vers moi, c'est la fête, hein. Bon, après, on est loin du spawn. Putain, j'ai oublié ça, mais quel bonheur, dis donc! Putain, j'adore avoir le sneak qui vient sur la case numéro 1. Problème là, non, y a pas de problème. Écoute, non, y a pas de problème. Nezé, il n'y a pas de problème. Ou alors, est-ce que le problème c'est qu'il a plus de vie? Peut-être. En contre, le problème, en fait, je sens qu'il va avoir un problème, c'est le fait les gens qui vont miner jusqu'à l'abscisse pour le meet-up en fait. Et que moi j'ai mon stuff. Et j'ai envie d'aller PVP, mais les gens, je pense qu'ils sont encore tous en train de miner tranquillement. Et vu que j'aime pas vraiment attendre en fait, enfin, au pire on ira miner 0-0, hein, voilà. Au pire on ira Nether. Oh putain, ah oui, c'est vrai que j'ai oublié ça. Oh putain, double mob. Oh putain, mais. C'est quoi ce bâtard? Oh GG! La mort de Kakaman! Kakaman qui est mort par un skeleton! Putain, le nombre de gens qui sont en train de mourir par des mobs, c'est n'importe quoi! Oh là là, quel dommage! Ah putain, j'en étais sûr de toute façon, ça allait arriver. Bon, lui il a bien tenu déjà. Ah, quel dommage! Et par contre les pommes aussi qui ne spawnent pas, bon voilà quoi, écoutez les amis, moi je suis venu ici quand même pour jouer. Ah une pomme, si quand même, j'ai rien dit. Aussi les pseudos des joueurs qui me font peur, non y'a rien, c'est bon. Ah!
sans déconner, j'en ai marre. Tout le monde stresse dans ce jeu. Non, mais c'est comme la nuit, vous voyez, la nuit. Ça, c'est quelque chose que maintenant, aujourd'hui, on ne voit plus dans nos UHC classiques, enfin dans nos UHC en temps normal. À part quand il y a une règle spéciale, type un permakill, qu'est-ce qu'il y a comme truc un peu spécial, un permakill, un nightmare mode, ou bon voilà, un UHC avec la nuit, je sais pas, mais voilà. Mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on n'a plus l'habitude, du moins que les joueurs pro UHC, à part ceux qui sont sur Reddit, n'ont plus l'habitude, c'est la nuit. La nuit, c'est quelque chose qu'on ne voit plus maintenant. Mais tout c'est un aldé, on aime tous gagner du temps. Donc la nuit, voilà, elle est rare, hein. C'est pour ça que quand là il y a la nuit, en plus en 1.6, forcément on a plus de chances de crever. Donc bon, voilà. Ah bah fin de l'épisode 3, voilà, bon, on finit sur une petite discussion tranquille. Donc on se retrouve pour l'épisode 4. Salut tout le monde!